Bonsoir. Alors, je viens d'avoir un mail de la poste me disant que ma nouvelle box est arrivée. Donc, je vous propose qu'on aille la chercher et qu'on l'ouvre ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, oui, je suis maquillée comme une voiture volée, mais en fait, je profite de mon arrêt maladie pour tester ma nouvelle palette. Voilà, parce que je me fais pas des maquillages comme ça pour aller travailler. Non, pas du tout. Bref, trêve de blablabla, on va aller chercher la box et on ouvre ça ensemble tout de suite. Et voilà, on est de retour. Alors, il s'agit de la Fairy Tail Box. Voilà, donc Fairy Tail, la box des bibliophiles engagés. Alors, petit disclaimer, tout de suite maintenant, je n'ai aucun partenariat avec qui que ce soit dans la vie. Et donc pas du tout avec cette box, d'accord? Je ne reçois rien, je n'ai aucun... voilà, c'est moi qui l'ai acheté. Donc n'ayez pas peur, mon avis est totalement personnel. Voilà, personne m'a rien demandé. Donc c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous, que j'ai gagné en allant travailler. Et voilà, je vais vous donc vous donner mon avis pur et dur, quoi. Voilà. Alors, cette box, en fait, c'est une toute nouvelle box. Je crois que là, en fait, c'est leur deuxième mois. Voilà, donc le mois de janvier 2022. C'est leur deuxième mois. Donc voilà, elle a été créée par deux personnes. Je vous mettrai peut-être une petite capture du compte Instagram si vous voulez aller voir. Donc voilà, donc elle a été créée par deux personnes via une campagne Ulule, il me semble. Et en fait, le but de cette box, donc il me semble que c'est autour de la littérature de l'imaginaire, à confirmer, ça je suis pas sûre, mais surtout en fait, ils ont une démarche éco-responsable en proposant des goodies bah, éco-responsables et en travaillant avec des petites maisons d'édition, voilà, pour les bouquins. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que ça permet aussi bah, des petites maisons d'édition bah, de se faire connaître et de les faire travailler. Donc franchement, c'est cool. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir. Je sais déjà quel est le livre qu'il y a dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Je vous l'explique après. Alors j'ai sorti le petit coupe-papier qu'on avait eu dans la Fairy Loot là, pour qu'il serve quand même à quelque chose. Alors. Ça coupe bien. Ah, c'est du scotch en papier, donc ça va, c'est pas difficile à couper. Alors, comment ça s'ouvre normalement là comme ça? Voilà. Oh, c'est plein de petites. Des petites moumousses comme ça. Il va falloir que je fasse attention ça pour pas que le chat les mange. Alors, oh, bah ça c'est une petite spoiler card que je regarderai après. De toute façon, je sais déjà quel est le livre, hein. Oh là là, j'en mets partout. Oh, je vais en mettre partout. Je vais essayer de les rassembler ici, comme ça je sais où ils sont. Oh. C'est pire que les papiers de machin. Alors. Ah, est-ce que je commence par le livre? Oui, comme ça je vous explique. Alors, le livre, il s'agit d'une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken. Voilà, donc aux éditions Les Trois Nornes. Voilà. Donc en fait, j'ai acheté cette box parce que je savais en fait que c'était ce bouquin-là. En fait, ce livre-là, je voulais l'acheter de toute façon, et ça tombait bien parce que dans le cadre du Plib, bah, il était sélectionné dans les 25, dans les 25 du Plib, donc je voulais vraiment le lire et l'acheter. Et en fait, début janvier, j'ai vu que Lorraine des Mots de l'Imaginaire, donc qui a créé cette maison d'édition, partageait sur son compte Instagram qu'elle était partenaire de cette nouvelle box et qu'une couronne d'os et d'épines serait dans la prochaine box. Donc, ni une ni deux, je suis allée voir ce que c'était la box. J'ai comparé les prix et d'ailleurs, on y reviendra après. Donc, je suis bien contente. J'ai donc une couronne d'os et d'épines. Je ne sais plus. Je crois que c'est un one shot. Je crois que c'est un one shot. Je vous fais le résumé. Alors, bien au nord, sur le royaume de Knheim, les dieux, les anciens et les. Et le os veille. Non, je pense que c'est les os. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciales du dieu Wyrne, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame des conquêtes du feu dirigeant sanguinaire.
Neyla appartient au rang sombre, la chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau, elle devra devenir. Elle doit rejoindre cet ordre de femmes pour devenir les yeux et les oreilles du roi des eaux, Ingvar le Juste. Guidée par la reine des corbeaux, Frière Agne, Neyla devient Na, son héritière. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Celui-là, je vais le commencer, je pense, aujourd'hui, parce que la lecture que je suis en train de faire ne me plaît pas plus que ça et j'en pouvais plus. J'attendais celui-là, en fait, pour commencer celui-là et j'ai bien hâte. La petite carte de la Fairy Tail. Ça, c'est la carte, je pense, d'un des partenaires qui est là, je vais le sortir tout de suite. C'est du thé, il me semble. Oh là là! Ça va être trop bon, ça! Donc, j'adore le thé. Voilà. Alors, 100% thé bio, zéro sur emballage, réduction de déchets, frais de port rikiki, commande simple et rapide. J'adore le thé, c'est le nouveau concept pour acheter votre thé en ligne. Voilà, donc nous avons une pochette en métal comme ça. Mais il y en a beaucoup dedans, c'est combien de grammes ça? Il y en a beaucoup, hein? 90 grammes! Ah ouais, j'aurais dit plus. Alors, je suis une étiquette repositionnable. Collez-moi sur votre boîte à thé. Oh, c'est sympa. Je vous ai pas dit ce que c'est. Donc, c'est un thé vert passion mangue-orange. Ça va être délicieux, ça. Oh, j'ai trop envie de goûter. Donc, thé vert bio à 80... Donc, 90% de thé vert bio. Arôme naturel de pêche, qui n'est pas bio, celui-là. Betterave bio, fleur de souci bio, écorce d'orange bio, arôme naturel de mangue, arôme naturel de fruits de la passion et huile d'orange bio. Voilà. Ils sont certifiés FR Bio 15, agriculture UE, non UE, etc., etc. Enfin bref. Voilà. Trop bon. Trop bien. Ensuite, des mini pailles en seigle. Voilà. Oh, elles sont trop choux. C'est bien pour les cocktails, ça. Avec paillenox.fr, donc je pense que c'est le site d'où elles viennent, leur petite pochette en toile. Alors, mini paille en seigle, écologique et française, fabrication artisanale. Nos pailles en seigle sont contrôlées en laboratoire pour garantir un seigle local sans pesticides ni produits phytosanitaires, stérilisés et séchés après récolte. Voilà, produit français. Alors, réutilisable jusqu'à 5 fois. La paille en seigle reste ferme, convient aux boissons chaudes, n'altère pas le goût et se lave à la main ou au lave-vaisselle. Tiens, c'est sympa. Compostable. En fin de vie, vous pouvez composter votre paille en seigle. Elle est 100% biodégradable et récoltée en Auvergne. Et ben franchement, c'est cool, hein. C'est cool. Donc des produits locaux, réutilisables et compostables par la suite. Franchement, non, c'est bien. C'est bien. Donc voilà, c'est une démarche éco-responsable. Et franchement, s'ils arrivent à trouver plein de goodies comme ça à chaque fois, qui sont éco-responsables, ben pour rester dans leur démarche, franchement, c'est super. C'est super. Alors, et là, nous avons des illustrations. Oh, on a un petit carnet. Ah, on a un truc à manger, génial. Attendez. Attendez. Je regarde. Non, c'est bon. Il n'y a plus rien dans les moumous. Je vais les remettre d'ailleurs, je reviens. 2 hours later. Voilà. Alors, nous avons ensuite une petite barre de céréales, je pense, une barre nutritive. Cerise amande hibiscus. Voilà, bio aussi. Voilà, vegan, sans gluten, sans sucre ajouté. Sympa, barre nutritionnelle, hein, c'est ça. Nutritive, j'ai dit, c'est ça. C'est pas grave. Waouh, une illustration. Alors... C'est beau, c'est les phases de la lune. Oh, elle est magnifique. Oh là là, c'est trop trop beau. Elle est trop belle, j'en avais du truc. Alors, recyclage des emballages. La pochette est faite en amidon. La pochette est faite en amidon de légumes et est 100% biodégradable et compostable, tout comme l'est le sticker de fermeture. Le renfort en carton est recyclé et recyclable. Ah oui, on sent que le papier, c'est pas du plastique comme on a l'habitude. On sent qu'il est différent. Mais sympa, c'est cool. Alors, c'est une illustration de The Flow Design, art par Roxane Lanz. Vous apporte une touche de plantes, cosmos, fleurs, magie avec amour de Paris.
Voilà, donc c'est sympa. Pareil, c'est local. Elle est magnifique, vraiment. Oh, je suis en amour. Voilà, donc d'après la signature qui est dans ce sens-là, je pense que c'est dans ce sens-là. Oh, elle est trop belle. Elle est vraiment trop, trop belle. Magnifique. Je suis pas fan d'illustration en général, parce que je ne sais pas quoi en faire. Enfin, vous savez, les petites cartes, comme on a souvent dans la Fairy Loot, en fait. Je sais pas trop quoi en faire. Voilà. Là, elle est vraiment très très belle. Je me demande si je vais pas l'encadrer en fait pour qu'elle reste bien protégée et la mettre peut-être sur ma bibliothèque pour voilà. Nous avons ensuite un petit carnet. Oh, il est sympa, il est joli. Voilà, donc la matière, elle est. Où est-ce que je veux dire? Pas caoutchouc, mais elle accroche. Je sais pas comment dire. Alors, nous avons donc un petit truc comme ça, note. Et après, en fait, c'est les pages sont blanches et alignées. Voilà, il est sympa. Il est vraiment joli. Il est de chez Histoire d'écrire. Imaginé, fabriqué en France. Voilà, et ben écoutez, encore local. De nouveau, une petite illustration. C'est une jolie plume. Attendez, je vais vous le montrer. Ah bah c'est la même en fait. C'est peut-être celle-là qui est en amidon de légumes là, et l'autre qui serait en autre chose. Je sais pas. Voilà, donc là c'est une pochette papier. C'est peut-être celle-là qui est en amidon de légumes, mais l'autre elle est quand même de toute façon, on sent qu'elle est pas pareille. Alors, waouh, c'est une petite plume. Elle est jolie aussi. Oh, elle est belle. Voilà, c'est super beau. Donc c'est la même illustratrice. Voilà, elles sont belles, franchement, mais même celle-là, elle est belle aussi. Oh, ouais, je pense vraiment que je vais les encadrer et les mettre dans la bibliothèque derrière parce que voilà, elles sont vraiment belles. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympa. Je regardais l'équivalent de la spoiler card là. Alors, ce que contient cette box? Le livre Une couronne d'os et d'épines de Émilie Norskaï aux éditions Les Trois Nornes. Deux affiches A6 réalisées par The Flow Design. Un carnet A5 de 96 pages lignées créé par Histoire d'écrire. 10 mini pailles en seigle et leur pochette en lin par Elo Durable. Du thé vert bio saveur passion, mangue et orange de J'adore le thé. J'allais m'en faire un tout de suite d'ailleurs. Une barre de céréales Baum certifiée vegan, sans gluten et sans sucre ajouté. L'entièreté de cette box est éco-responsable et ou biodégradable, même les particules de calage. Parce que les moumous, j'ai pas besoin des moumous. Conçue à partir d'amidon de maïs et compostable, elles se dissolvent naturellement au contact de l'eau. J'ai envie de les mettre dans l'eau pour voir. Venez, on fait ça. Oh, je vais aller les mettre dans l'eau, ok? On fait ça. Alors, donc, rapport qualité-prix. Eh ben franchement, je suis hyper contente. Parce que bah déjà on a un bouquin en grand format, donc déjà c'est bien cool. Ensuite on a donc 1, 2, 3, 4, 5 goodies, 2 qui se mangent ou boivent. Voilà, on a ça et ça. Ensuite on a 2 illustrations que je compte comme un goodies parce que c'est la même personne. On a les pailles, on a le carnet. Franchement, voilà. Et le bouquin. Alors, au niveau prix, parce que je sais qu'on peut se demander, oui, mais par rapport au prix du bouquin, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre la box? Alors, j'ai fait le calcul. Pour moi, oui, ça valait le coup. Parce que le livre en lui-même, tout seul, est à 25 euros. Voilà. La box est à 21. Voilà. Donc déjà, rapport qualité-prix. On est dedans. Ensuite, vous allez me dire, bah oui, mais les frais de port. J'ai calculé. Alors, ça se joue à pas grand-chose. En fait, la box est à 21 euros plus 6,20 € de frais de port. Donc, ça fait 27,20 €. Le livre était à 25 euros plus 3,90 € de frais de port, ce qui nous fait 28,90 €. Et par-dessus le marché, on a tous les goodies qui vont avec, qu'on n'a pas en commandant juste le bouquin. Alors, pour moi, au niveau rapport qualité-prix, évidemment, on est gagnant parce qu'on paye moins cher que si on achetait le bouquin tout seul. Et en plus, bah voilà, on a tous les goodies et puis voilà. Donc, eh bien, franchement, c'était bien cool. Je ne sais pas si je vais la continuer, cette box. Peut-être que là, je vais l'arrêter parce que je voulais juste
ce bouquin-là. Mais peut-être que je la reprendrai au moment de... quand j'arrêterai la Fairyloot. Peut-être que je ferai le relais avec ça. À voir. À voir ce qu'il propose pour les prochains mois, si ça reste dans l'imaginaire ou si on part dans des genres et des styles que j'aime pas trop. Mais bon, après, ça peut faire découvrir des choses, quoi. Voilà, bon, sur ce, messieurs, dames, on va aller tester les moumousses, si vraiment ça se dissout dans l'eau, et on va goûter le thé. Voilà, d'accord? Allez, je vais aller faire ça. Messieurs, dames, je reprends dans ma salle de bain, j'ai une bassine d'eau, voilà, et j'ai mes petites moumousses, et on va voir si en effet ça se dissout dans l'eau ou pas. Oh, mais ouais! Oh, c'est ouf! Ah, c'est génial! C'est génial. Donc en fait, voilà, c'est totalement bah, dans leur démarche éco-responsable, etc., etc. Ah, il y a tout qui tombe! Non! Voilà. Et ben, c'est génial. Je suis contente avec pas grand-chose. Voilà, ça se dissout dans l'eau. Donc c'est de l'amidon de maïs, hein, c'est ça. Donc c'est totalement inoffensif. Hein. Je veux dire, pour la planète, c'est de l'amidon de maïs. Oh! Ah, mais il n'y a plus rien. Ben voilà. Oh, mais c'est génial. C'est génial. Eh bien, écoutez, je suis bien contente d'avoir fait cette expérience avec vous. Voilà, après les expériences aquatiques, je reviens pour la dégustation du thé qui est là. Alors, déjà, regardez-moi ça. Il est vraiment très beau. Je l'ai tout de suite mis en fait dans une boîte et j'ai fait comme ils ont dit, j'ai recollé l'étiquette. Voilà, donc c'est une boîte que j'avais, c'était des chocolats. Ils sentent très, très, très bon. Et on a regardé des grandes feuilles, vraiment des. On a des grosses feuilles. Donc en général, ça représente un thé de qualité. Voilà. Et c'est parti pour la dégustation. Alors ça sent super bon. Je pense que ça va être trop chaud. Donc j'ai bien fait comme ils ont dit. 80 degrés. Regardez ma tête, elle est trop belle, ouais. Make your own fairy tale. Voilà, je l'avais acheté à Disney il y a quelques années. Bientôt 3 ans déjà. Que ça passe. C'est chaud. Ouais, c'est ça, je disais, j'ai fait comme ils ont dit, c'est-à-dire 80 degrés, à peu près, parce qu'en fait, j'ai pas le machin, vous savez, sur les bouilloires, des fois, on peut choisir les degrés. Je pense qu'en fait, je vais finir par investir dans une bouilloire comme ça, parce que quand je bois beaucoup de thé, voilà, pour respecter les degrés. Bref. Et 2 minutes d'infusion. C'est très bon. C'est bon, on sent bien. Qu'est-ce qu'on sent? L'orange? Je sais pas, c'est trop bon. C'est vraiment très bon. Franchement. Voilà, donc c'est la marque. J'adore le thé. Je connais pas cette marque. Maintenant, je la connais. Même si, voilà quoi. Moi, j'ai une marque préférée locale vraiment qui est à 100 km de chez moi. Je sais, ils viennent de où C'est pas écrit. C'est pas écrit. Je vais essayer de trouver. Mais en tout cas. Voilà, à découvrir parce que c'est vraiment très bon et puis la démarche est sympa aussi. Voilà. Bref, et ben messieurs, dames, merci d'avoir tenu jusque-là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le point lecture du mois de janvier. Bisous!